Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer 40 000 Dawn of War, le premier du nom. Alors, on a enfin réussi à prendre la colline, enfin la colline. Le machin hydraulique. Ça, tac. Nos unités sont en vie. Je sais, c'est difficile à croire, mais c'est le cas. On finit de construire la base, on va pouvoir lancer des offensives pour repousser les orques un peu partout. Je ferais bien un serviteur en plus, moi. Serviteur de son. Non, je vais pas en faire en plus. La foi est notre bouclier. On va prendre celui-là. C'est bon, tu vas là. Je ferai ce que vous demandez. Oui, Seigneur. Bien sûr, on va pas avancer avant qu'on ait pu. Quoique, on peut avancer un peu. Putain, qu'est-ce que tu as limite. Un filtre, on va par là. Voir un peu ce qu'il y a. La sortie est bientôt prête. Alors, c'est juste des boys de base. Avec une tourelle. Enfin, il y a un avant-poste fortifié. Par là, c'est quoi? Des boys de base également. Il n'y a rien de très dangereux. On va faire ce qu'on va construire directement la chapelle caserne. On va la construire. Voilà, ici. On va faire avancer ces mecs-là. Tac. Tac. On va attaquer les boys et l'avant-poste. Augmentation de la capacité de squad. Ouais. Je sers l'humanité. Allez, on extermine les boys. Aujourd'hui, l'ennemi connaîtra la peur. Ici, c'est bon. On va construire l'avant-poste qui se trouve là. D'autres boys ici qui ont rejoint la zone. Ça doit aller, je pense. Bon, au moins maintenant on a des points, c'est ça qui. C'est ça l'avantage. Hein. Ce sera un jour de gloire pour l'Imperium. On a plus de capacités d'escouade disponibles. On peut avoir plus de Space Marines. Qu'est-ce qu'on peut créer en plus? Un arsenal, ouais. Puis, toute énergie qu'il faudra qu'on fasse. Voilà, toi tu veux faire le générateur d'énergie, genre. Ouais, là. Ici, on améliore ça. Beaucoup de méchants. Vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez rester au cac. En fait, il y a une base orque ici. Voilà, alors on va prendre. Allez, on dit donc on va prendre des lance-flammes. On peut ici. Bah, attaquer la tourelle. Merci. Il recule un peu. Voilà, donc l'équipe d'Angelo aura des lance-flammes et l'autre équipe aura des bolters. Il semble que ça pue. Établir une base et nettoyer la vallée. Donc il faut détruire 3 bases orques. Okay, c'est bon. Maintenant, on peut faire quelques Space Marines. Ce qu'on va faire. Ah, on n'a pas de réquisition. Énormément de monde. On va faire quelques Space Marines supplémentaires. Une ou deux escouades. Eux ils n'ont plus de bolter lourd, c'est parfait. Du coup, on pourra améliorer les bolter lourds ici et lance-flamme ici. Enfin, c'est parfait. C'est-à-dire que qu'un bras Space Marine, c'est mort, mais bon.
Nous devons améliorer la place forte afin de disposer du matériel nécessaire pour éliminer cette vermine. L'empereur protège. Alors, tac, on augmente les squads. La place sort combien? 250 et 100. Ça prend un petit peu de temps. Celui qui viendra avec moi sera. Donc, tout ça c'est bon. On va juste améliorer un peu les squads. Voilà. Recule un peu. Recule un peu. Oh, continue. Attaquez là. Toi, tu fais ça. Toujours vigilant. Pas mal de cadavres orcs et Space Marines. Le plus triste, bien sûr, c'est les cadavres Space Marines. On va les laisser faire. J'ai pas eu de perte. Non, j'ai pas eu de perte, c'est bon. On va économiser un tout petit peu pour avoir le monastère. Là, juste améliorer. Ça coûte tellement cher la guerre. Espérant qu'ils vont arrêter d'attaquer un moment. Voilà. L'ennemi doit être proche. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un serviteur. Tac. On va prendre faire un avant-poste ici. On va continuer à défendre ici. Donc il nous faut améliorer le monastère. C'est quoi ça? Augmente le max d'armes load d'une escouade de Space Marine, ça c'est cool. Mais on doit économiser. Absolument économiser. Marché d'un pas souple. En position. Une arme à la main. Je vais on peut pas le dismonter. Aujourd'hui, l'ennemi connaîtra la peur. On peut améliorer le monastère, voilà. Donc eux on va pouvoir les sauver un peu. Voilà. Ah, la construction achevée, on a plus 77. On subit des tirs. Bah, on fait ça là. En alerte, frère. L'ennemi doit être proche. Michelangelo, je sais pas qui. Il tient lance flamme également ici. 40, on fait ça. Il y a beaucoup de monde, il y a surtout les tourelles qui aident les orques, on va reculer un peu. Là, on peut trop mieux arrêter un petit fus sniper, on va le laisser là, comme ça. Toi, on va refaire de l'énergie. Toi, tu vas faire pareil. On a passé le point, ça va arriver. Ajouter chef sergent. Ouais, carrément. Tac. Sur nos avant-postes. Le monastère est terminé. Les sergents pousseront vos escouades de Space Marine à plus d'héroïsme et les lance-roquettes ne feront qu'une bouchée des bâtiments hors marché d'un pas souple. On améliore ça. Il faut 75 pour avoir notre sergent. On les a. Je crois qu'on va laisser trois escouades de Space Marine ici défendre. Et on enverra quelques-unes attaquer là. Sur les côtés, genre 2 ou 3. Il m'en faut plus. Plus de réquisitions, toujours. Où sont les sergents? Ils sont là. Nous sommes les élus de l'empereur. Vous, c'est les polters. On va les envoyer en position d'assaut. Et vous également. Celui qui viendra avec moi sera mon frère. Voilà. Faire quelques divisions, enfin quelques escouades. Un avant-poste grâce à l'amélioration position fortifiée. Ah oui, carrément. Ceci améliorera l'extraction de réquisitions et renforcera les défenses de l'avant-poste. Complètement. On pourra faire une tourelle. Ça, c'est très bien. Les tronçonneuses ici, ça, c'est classe. Ce qu'on va le faire reculer un peu. Tu fais ça. Toi, tu fais ça. Lance auquel fusil à placement.
L'avant-poste tu fais pas ça. Davantage de réquisitions. On va prendre du lance-plasma. Et possède un emplacement de tir pour riposter. Son crâne assimilé de l'infanterie, unité de recours à moins, enfin, non, putain. Rattache aux escouades pour augmenter leur champ de vision. Ok. Aujourd'hui, l'ennemi connaît pas la paix. Ordre reçu. C'est ça. Voilà. Et mon bouclier. Ce que je vais faire, c'est que je vais. On n'a pas besoin d'attaquer après cette escouade, on va en faire un troisième. On va bourrer les escouades, on va bourrer les améliorations d'escouade. Toujours vigilant. Voilà, on va bientôt refaire un sergent. Ah, l'arsenal d'ailleurs, on peut faire quoi? Rien du tout. Peut-être améliorer son poste fortifié. En avant-poste fortifié, je veux plus de réquisitions toujours. Ça fait plus d'argent. Voilà. On a quoi? On a trois escouades, dont une qui est presque pleine. On va commencer à avancer par là. Plus important, ajouter les monstres planétaires plutôt qu'un sergent. On va les laisser se battre pour l'empereur. Sauve. Alors, vous serez un. Non, vous serez un. Et vous serez deux. Tac, toi t'améliores. Toi t'améliores. Celui qui viendra avec moi sera mon frère. Ok, vous avancez. On va détruire cet avant-poste orc. On continue d'améliorer tout ça. Est-ce qu'on a eu des pertes? On a eu des pertes, un petit peu. On a perdu notre sergent également. Beaucoup de pertes. Prenez garde aux aliens, mutants et hérétiques. Prends le sergent. Vous allez rester là, c'est très bien. L'hérésie naît de l'inaction. Subit des tirs. Tac et tac. Beaucoup de cadavres orques, hein. C'est assez gros comme bataille. C'est ça. On prend un sergent. La foi est notre bouclier. Prend ce point de contrôle. Où sont. Oui, ils sont là, mes serviteurs. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Capacité des squads, j'en ai pas besoin pour l'instant. Armes lourdes, tout ça sympa. Est-ce qu'on l'a amélioré lui? On l'a amélioré. On a amélioré ces avant-postes là également. Et toi tu avances. Pour la gloire de la période, la foi est rallie mon sergent, rallie son escouade, rétablit intégralement le moral de l'escouade. Compense l'effet de démoralisation. C'est cool. Ce qu'on va faire, attends. Nettoyer. On met deux, et là on va mettre deux. La peur on va mettre du bolter lourd avec du sergent. On est sous le feu. Le sergent, ici il est bon. Où est mon serviteur? Il est là. À ma poste, ici. Voilà. La peur empêche la foi. Toi. J'aimerais que tu survives, merci. Toi tu avances un peu. La peur empêche la foi. Recule un peu. Pourquoi tu n'attaques pas, en fait? Merci. Alors, si c'est bon, et si c'est bon, on améliore l'avant-poste et on se repliera. Peut-être faire quelques unités supplémentaires, genre deux unités Space Marines, on va par là, on va récupérer l'avant-poste, on va reculer le serviteur. Oui, Seigneur. Ordre reçu. Attention frère, ce monstre mécanique est une boîte qui tue. Chargé. Cet engin est dévastateur à courte portée.
Les tirs d'armes légères n'entament pas sa carcasse blindée. Nous devons nous doter de lance-missiles pour détruire cette abomination. Pourquoi est-ce que des... C'est bizarre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même laisser 3 jusqu'à les Space Marines ici. On va en créer d'autres. 3 escouades équipées, je pense, de lance-roquettes. C'est un peu écrasé là, nos chers Space Marines. La peur empêche la foi. Ici, ils ont plus l'air d'avancer. On va quand même laisser nos escouades là-haut. Véhicule marcheur, un petit soutien siège, surtout efficace en combat rapproché. C'est quoi? Amélioration possible avec de l'armure anti-véhicule, efficace contre la plupart des types d'unités. Ok. Quels sont vos ordres? On va bourrer tout ça. Tac, ça me coûte un peu un bras. On est sous le feu. J'aimerais que tu répares ça. La foi est notre bouclier. Tu t'améliores. Tu t'améliores. Tu recules. Arme prête. C'est lui, seigneur. À vos ordres. Tac, et tac. On reprend lance-roquette. On attend le temps. La foi est notre bouclier. Position défensive. Courte distance, je veux pas que je tente du terrain. On améliore ça. Ah, il va continuer à attaquer ici. Alors, paupillation complète, fichier, tac. Bon, j'avais un peu trop perdu. On va améliorer ça. Ici ils ont perdu, ici ils perdent beaucoup de choses. Tellement plein la bouche. Vous, c'est les plasmas. Reculez, reculez, c'est fini. Voilà. Alors, vous, c'est bon. On va bourrer les lance-missiles. Et on va également améliorer ça. On a amélioré la capacité de squad. Pourquoi je reste à 20? Bon, tant pis. Vous voyez les 4 des squads. Il met 3 escouades. Je pense que 2 escouades ici seront pourraient être suffisants. On va faire ça. Alors, ces 2 escouades là seront 2. Toi et vous. Non, seront 3 s'il vous plaît. Et vous, 2. Là. Tout à l'heure, ça. Tout ça, c'est bon. Là, non, t'améliores pas. Ouais, tu t'améliores. Voilà. Et vous avancez. Ils sont fous là. On y va avec lance-roquette. Attends, un tout petit peu. On va encore améliorer. Tac. Tain, ils sont tellement là, éclatés. Ça devrait aller, je pense. Toujours vigilant. La peur empêche la foi. Marchez d'un pas sûr. Oui, seigneur. Une arme à la main. Ok, vous avancez. On sait dégradation complète. Dégradation complète. Ça veut dire quoi, ça pointe stratégie de dégradation complète? Je sais pas trop. Pas grave, on va avancer là. L'hérésie naît de l'inaction. L'hérésie naît de l'inaction.
écrasés. Encore un autre sergent qui fait le taf. Oh putain! On va aller, je pense. Ici, ça pourrait se passer beaucoup mieux. Mais ici, ça se passe très bien. Ah ouais, ils sont violents. Hein. Rallye. Voilà. C'est plus démoralisé tout ça. Quand il paye 5500 PV, putain, tu m'étonnes. Ah, le sergent, il est mort. C'est bon, aucun problème. Tout s'est bien passé. Presque. Tellement nombreux. Montez ça, on va améliorer les lance-flammes. Oh, ici, bon, ils reprennent un peu du poil de la bête. Fort heureusement. Avance là, toi. On va prendre ce point stratégique. On peut pas avancer là. Pour en améliorer plus, non. La pièce complète, on va laisser là comme ça quand même. Pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de population. Dirigez-nous vers l'ennemi. Allez, vous allez finir par arriver, vous. La vache. Ils ont débuté, mais tellement d'orques. Regardez tous les cadavres Space Marines. Et par ici. Par ici, il y a surtout des cadavres orques. Je pense que les snipers n'y sont pas pour rien. Ils ne sont pas étrangers. Non. Reculez. Dirigez-nous vers l'ennemi. Bon, ici, c'est pris. On va prêter main forte à notre pote. Où est le serviteur? Il est là. C'est parfait. Eh, hey, vous allez réussir. Ils sont tellement nombreux, c'est hallucinant. Ok, maintenant avancer. On va lancer l'offensive. Non, on a déjà beaucoup d'inspiration, on prend les bolteurs lourds plutôt. Allez, on va enfin prendre cette base orc. Perd quelques mecs avec des bolteurs lourds. Toujours les mêmes qui morfent, putain. Avancez tous. Et vous, comment ça se passe? Oh, vous êtes un peu éclaté. Qu'attendez-vous de moi? On va enlever les améliorations d'armes. Ah. On a perdu une escouade de Marines. Et c'est pas celle que je pensais, que j'aurais pensé. on a tous tapé la Utah Boys. Le plus important.
attaque. Si on peut améliorer. Je regarde même plus mes ressources, on en a tellement. Alors, ok, on a perdu un quand même. Voilà, on va l'améliorer. Tac. On va y arriver. Sans trop de pertes. Enfin, si, on a perdu tellement d'hommes. T'inquiète pas plus que ça. J'ai plus qu'ils avaient. Ah bah, c'est les fusils de placement. Oh putain, ça y est. Aujourd'hui, l'ennemi connaîtra la peur. Wouh! Enfin, pressé de zone. Prendre des bolters. Qu'attendez-vous de moi? La peur empêche la foi. Et on prend des fusils de placement. Compris. Bon. Avec un nombre de cadavres orques assez impressionnant. Pas mal de Space Marines y situés. Qu'attendez-vous de moi? Il ne peut y avoir de paix tant que respirent les ennemis de l'empereur. En alerte, frère. Voilà. L'ennemi doit être proche. Avancez un peu. Nous allons avancer et marquer les positions ennemies. Aujourd'hui, l'ennemi connaîtra la peur. On peut pas avancer là. Allez hop, les orques, on les tue. Ça se passe quand même bien mieux là, qu'on... maintenant qu'on est 30 millions. On a quoi? On a des lance-flammes, du bolter, socket plus socket, fusil plasma, bolter, fusil plasma. Ah, on a perdu quelqu'un. Pas une personne. Oh, il y a un leader noble. Pas fait gaffe à ça. Ouais, c'est bon, ça devrait aller avec tous les missiles qui arrivent sur la gauche. C'est roquette. Je m'inquiète pas plus que ça. Il ne peut y avoir de paix tant que respire les ennemis. Tant que respire les ennemis de l'empereur. Maintenant qu'on a buté la première base, là on avance comme dans l'Uber. Hein. On peut pas trop prendre ce point, bon c'est pas grave au pire. On n'est pas en rate de ressources. Hein. Début des recherches. On va plutôt encercler, ce que je vais faire plutôt avancer par là. Tac. Les roquettes. On fait ça. On fait ça. On avance plutôt par là. Énormément de monde. Avec des bottes qui tuent. Super. Ok, faut tuer. Votre qui tue font trop de dégâts. Tac, tac. Ça c'est bon. Énormément de monde, ça c'est dingue. Ah, il lance roquette. Hein. J'y allais, la botte qui tue. Oh là, oh là, oh là.
Oh putain! Je perds beaucoup de gens. Ça devrait aller si la botte qui tue meurt. Ah, on a quand même un scoop. C'est fait dépouiller. Un petit peu de place d'escouade. On va prendre le compteur. On va avancer vers cette base là plutôt. Comme ça on pourra revenir par là plutôt que qu'aller dans ce goulot d'étranglement. Allez, on détruit tout ça. Je pense qu'on peut se permettre de terminer cette puissance, cet épisode. Comme moi, j'ai pas envie de m'arrêter de jouer tout de suite. Il est tellement cool ce jeu. Oula, on se fait écraser là. Pas de tirs. Avancez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Les tanks qui sont écrasés sont tous à sur la ligne de front. Ah, c'est pas déjà mieux quand ils vont tirer. C'est vrai. Je ne sais plus ce qu'ils avaient. C'est mon slam. Allez, on les tue. Commandant n'a plus de PV. C'est pas évident en mode difficile. Bon, heureusement. Mais m'attendais pas que ce soit aussi compliqué. Enfin, qui est autour de moi, François. Voilà, la Utah Boys, aucun souci. Écrasé, lamentablement. Par où? Intéressant. Ce sera un jour de gloire pour l'Imperium. Voilà. Confirmé. Qu'est-ce que ça veut dire dégradation complète? Ah, je gagne moins. C'est pour ça. Les ressources max. J'avais complètement oublié ce détail. Nous sommes prêts. L'empereur protège. Alors, on va sauver nos gars quand même. Combien c'est 2? On peut faire une escouade de plus. Aujourd'hui, l'ennemi connaîtra la peur. En alerte. Ça c'est bon. Où sont nos serviteurs? Qui se foulait toi? En mouvement. Serviteur, serviteur, oui, ici. Escouade de marines déployée. Position nettoyée. Voilà, maintenant, vous allez là, par là. Voilà. Tac, tac, tac. L'ennemi attaque. Toujours vigilant. Nous sommes les élus de l'empereur. Attaquez là. Toi, tu seras un lance-flamme. On va laisser deux escouades ici au cas où. La foi est notre bouclier. Je suis là pour servir. Ma foi est mon bouclier. Tac. Celui qui viendra tac avec moi et sera mon frère. Oui, seigneur. Merde.
Marchez d'un pas souple. Une arme. Et voilà. Compris. Tout ça, ça s'améliore, c'est bon. Toi, tu seras le 2. C'est que du Pistol Boys, donc je m'inquiète pas plus que ça. Oui, très bienveillant. L'empereur protège. On avance par là. Dégradation complète, ouais. Nettoyer, purger, tuer. En avant. On peut pas passer par... Oh merde, j'ai encore cliqué sur mon dual screen, c'est pas grave. On va taper ces enfoirés, on va les exterminer. Voilà, on continue. Aucun problème. Ce sera un jour de gloire pour l'Imperium. Sur moi, mes frères. Chargez. Qu'attendez-vous de moi? À l'attaque. Allons sauver nos hommes, tout simplement. Allons-y. Allons-y au cac. Allez hop, tout le monde au cac. Bon, ça, c'est pas de place pour avancer. Et ben voilà. L'empereur protège. Dirigez-nous vers l'ennemi. En alerte, frère. L'ennemi doit être proche. On s'améliore, on met des bolteurs. En avant. Et on retourne à la maison, par là. Est-ce qu'on a des objectifs secondaires? Non. Tout est bon. Pour l'Imperium. Je suis là pour servir. On peut faire ça. Routine de construction 721 lancée. Ce sera un jour de gloire pour l'Imperium. Je pense que ça se fait en soi de faire d'autres avant-postes. On va vérifier ça de toute façon. Pour savoir ce que vous foutez là. C'est là-bas que je vais m'en aller. Merci. Ça, on améliore. Oui, Seigneur. Ce sera un jour de gloire pour l'Imperium. Tout envoyé là. Ce sera un jour de gloire pour l'Imperium. Il ne peut y avoir de paix tant que respire. Position défensive, attaque à distance. Blood Ravens. L'hérésie naît de l'inaction. Qu'attendez-vous de moi? Peut-être pas faire ça. Dirigez-nous vers l'ennemi. Ce sera un jour de gloire. Dirigez-nous vers l'ennemi. Ouais, ce sera mieux. L'empereur protège. Oula, oula, oula. Restez vigilants, frère. L'ennemi doit être proche. On va passer par en haut. Brûlez-moi tous ces orques. Voilà, on va passer par là. Et on va terminer cette mission. Louons l'empereur, suivez-moi. Ce sera un
tous perdu leur morale, c'est cool. Enfin, les orques. Attaque. Les tourelles. Les panières braques. Ma foi et mon bouclier. On ne sert à rien. Conserver l'information d'attaque. Ce sera un jour de gloire pour l'impérial. Nous sommes prêts. Allez hop. Aujourd'hui, vous allez y aller comme du bourrin. Ouais, qui a perdu le mal. Allez, on avance. Il y a un peu trop de monde, ça fait un peu gouler l'étranglement, c'est un peu relou. Ce sera un jour de gloire pour l'Imperium. Suivez-moi. Qu'est-ce que c'est, atelier mécano? Des trucs, bottes qui tuent tant que voler. Ouh, ça fait chier ça. Il y a du peuple. Oh ouais, il y a du peuple. Putain la vache. Il y a beaucoup de monde. Allez, allez, allez. C'est des fois cette boîte qui tue absolument. C'est celle qui flingue notre morale. Ça, ça, ça. On va lire tout ça. Une fois en sergent. Pas qui tu es détruite. Il nous faut l'atelier mécano maintenant. On va avoir pas mal de pertes. Mais bon, ils sont heureux de mourir pour l'empereur. Ouais, c'est plus que deux. J'ai perdu une escouade. Pas qui tu es détruite, c'est bon, on avance. Enfin, pas qui tu a déjà été détruite, je parlais plutôt de l'atelier mécano, c'est bon. Le color que Utah Boys ici. Eh putain, j'ai encore perdu quelqu'un. Avancez tous, avancez tous. Nous sommes les élus de l'empereur. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. C'est un peu écrasé. Allez, 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 ça doit passer, ça doit passer. Détruit les boys. Enfin, la Utah Boys. Faut le sergent. En priorité. Ça passe pas super bien. Enfin. Si, si, en soi ça se passe bien, c'est juste que j'aurais préféré avoir moins de pertes. Enfin. Voilà, on les tue. La possibilité d'améliorer les armes lourdes en attendant. Voilà. On a perdu 3 escouades en tout. Mais enfin. Ce sont des choses qui arrivent. Oh putain, c'est. Oh la vache! Ah, c'est générateur d'énergie, c'est plutôt bien. On les termine. On a donc détruit tous les campements orques. Ça, ça fait plaisir. Wouh! 45 minutes d'épisode. Je dois parler au capitaine. Il rend grâce à l'empereur. Laissez-le pour l'instant. Oui, frère archiviste. Nous avons parcouru le secteur et n'avons plus trouvé un seul orque. Très bien. Dites à votre escouade d'avancer et d'ouvrir la voie à la compagnie. Entendu, frère archiviste.
machination du chaos. Je ne souffrirai aucune offense. What? What happened? Bon, apparemment mission accomplie, j'ai pas compris la fin. Bon. Alors, on va juste lancer la prochaine mission pour avoir un point de sauvegarde. L'invasion et on se quittera là. Des orques est bien plus grave que nous ne l'imaginions. La marine impériale, avec l'aide de la barge des Blood Ravens, le Litany de Fury, a difficilement repris le contrôle de l'espace orbital. Mais le nombre d'orques ayant rejoint le sol dépasse nos estimations initiales. La menace des orques s'est répandue dans les régions peu peuplées de la planète. Les civils fuient en masse vers les villes, où ils espèrent que la concentration plus élevée de gardes impériaux les protégera. Nos récentes actions nous ont permis de détruire plusieurs campements avancés orques, et de tuer nombre de leurs chefs. On peut donc espérer un bref répit dans ce secteur. Les Blood Ravens ont rejoint la capitale, Magna Bonum, afin de profiter du calme pour préparer les défenses. Oh. Donc on va devoir attendre et préparer les défenses et tenir, c'est ça? Frère Mathiel, la deuxième escouade doit occuper ses bâtiments de l'autre côté des rues du marché. Vite! Frère Tantius, prenez la 9e escouade et renforcez nos défenses du flanc sud. Ces emplacements de tir doivent être opérationnels. C'est bien ça, frère Coralis. Lancez l'exécution du protocole 18. Nous allons faire taire cette artillerie orque. Seigneur, j'ai pris la liberté d'installer ma garde impériale autour des installations clés, y compris le spatioport et la centrale. Une initiative admirable, colonel. Mais vous allez devoir rappeler vos hommes à cet endroit, où ils pourront concentrer leur défense. Mais si nous abandonnons le spatioport... Nous ne pouvons pas tenir le spatioport, colonel. Il faut maximiser la défense en un endroit pour assurer la victoire. Ne prenez pas la désinvolture des orques pour de la stupidité. Ils sont plus rusés qu'il n'y paraît. Allez, maintenant. Oui, seigneur. Je désapprouve ce comportement. Pourquoi devons-nous attendre l'offensive des orques? Il faut attaquer! Ce sera toujours mieux que l'inaction. Vous voulez que nous sortions pour affronter les orques à découvert? Ce serait de la folie. Il est écrit dans le Codex Astartes qu'une telle situation suppose la défensive. Bien sûr. Vous avez raison. Peut-être la patience s'impose-t-elle ici. Oh, la transition! Frère, les orques ont investi la ville. Cette invasion est intolérable. Nous préparons jusqu'à l'écrasement du dernier orque. Trop cool, les tourelles à bolteurs lourds nous sont accessibles. Placez avec soin leur potentiel défensif. Des mines peuvent maintenant être déposées sur les chemins qu'empruntent. Oh, ça c'est trop bien. Bon, allez, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, en tout cas, ce jeu me plaît énormément. J'avais oublié à quel point il était bien. On se retrouve demain pour la suite. Et promis, un épisode un petit peu moins long quand même. Allez, bisous.